Allez, c'est reparti. Donc on va finir sur Elite. Bon, ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Hein. On a l'habitude que je fasse n'importe quoi. On va se mettre dans le petit buisson, là, comme d'hab. Je sais pas si les 3000 je peux les faire, mais... pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe ? Mise en place du filet de camouflage. Moi je bouge pas. Petit. Descends de ta falaise. Ou sors de ton caillou, ça va tout aussi bien. Concentrez votre attention ici. Moi, je vais plutôt concentrer mon attention par là où ils arrivent. C'est-à-dire par là. Oh oui, bah... L'ennemi, il nous observe plus. Caché! Oui, bah je sais, je suis détecté. Ils nous ont repéré. J'étais un peu chassé, je savais qu'ils allaient arriver par là-bas. Hein. Ouais, les obus là, ils sont sympas. Je pense qu'on pourrait en acheter des mieux, mais ils sont bien ceux-là. Bon, on va chercher le lourd là. Voilà. Ah, mais ils prennent la base. Ah oui, s'ils prennent la base, c'est encore mieux. Vous faites pas toucher, les mecs. Putain, ça monte pas. Il y a l'outil, il est là, je pense qu'il peut arriver à le choper.
Vu ce qu'on a fait en XP en vrai. Bon, je pense en 1 h 30. Allez, on va voir 1500. Combien il manque? Ah bon, 3000 quand même. Parce que là, le problème, c'est que j'ai eu les bonus de 2000 d'XP et tout. Donc c'était bien, mais. Ouais, bah après, ça dépend ce que t'as en face aussi. Hein. Là-bas, je sais pas ce qui est en train de lui tirer dessus, mais ça me mettrait que ça soit les légers. Ah si. Vas-y, éliminez là, il commence à être chiant les deux là. Ouais, le chasseur, il est loin. Ça, par contre, il est à gauche là. Hein. Ok, plus que l'autre. Ah bah, bah il va gagner le truc. Hein. Je sais pas s'il le voit. Moi je le vois pas en tout cas. Non, il le voit pas forcément. Il va tirer au pifomètre. Donc tu peux avancer, hein, ça ira mieux. Pas du cercle. Ah. Et chez nous, ils font quoi? Ah ouais, parce que je me disais, on en a encore plein là. Voilà. Bon boulot, les gars. Bon, j'ai pas. Ah, si, oh, je fais moyen. C'était pas la folie. Bon, ça sent XP quand même. Campagne d'argent remportée, 10 batailles. Tranquille. Ah, j'ai une petite trousse de premier secours. Ah oui, attends, on devrait peut-être avoir nos 450 000 maintenant pour acheter. Déjà, l'équipage. Putain, il lui manque 3 spoons là. C'est pas ça. Ah mais je vais faire une autre OPA. Ah oui, voilà, campagne de machin. Remporter 15 batailles la prochaine. Bon, ça va. Ah oui, il faut recommencer de zéro à chaque fois. C'est pas drôle. Donc, ah c'est bon, il reste plus que 2200 à faire. Alors, l'équipement. Est-ce qu'on prend le télescope? Est-ce qu'on prend ça? Je me disais, ça c'est pas mal aussi pour pas mourir trop vite. En même temps, je sais pas pourquoi je l'équipe alors que. Vendre. Ah oui, je peux vendre. C'est vrai que je pouvais vendre. Parce que la vue c'est pas mal, mais. Vu que je suis toujours planqué. Après, c'est limité à 500 mètres et je sais pas combien je suis là. Il faudrait que je regarde en fait. Voir les. Non, c'est pas ça que je veux voir. C'est les stats. Ouvrir les détails. Vision. Portée 350 mètres. Ah, aussi, je peux le prendre. plus 25%, ça me rajoute un certain nombre. Il me faudra aussi ensuite un petit. Celui-là, le revêtement anti-éclat, c'est pas mal. 25% de protection contre les collisions et les explosions. 25% de chance de protéger l'équipage contre les dégâts critiques. Ou alors le 25% de vitesse de réparation. Moi, j'aurais... Ou alors leur charge aussi. Oh, il y a tellement de trucs. Bon, allez, on va se mettre de la portée. Que je peux mettre mon. Parce que j'en ai sur moi, donc ça serait bien que je pouvais les utiliser. Quand même.
Soigner un membre, d'accord. Ah oui, je tire à l'explosif. Ok. Bah oui, je suis toujours planqué, c'est pour ça que je prends des trucs de planqué. Évidemment. Mais la recharge, ça pourrait être pas mal, parce que vu comment il est long à charger... C'est vite chiant. Mais ouais, clairement, les 500 mètres, ça peut aider. Ouais, je sais que c'est un rechargement auto, mais déjà, faut que je sache comment les utiliser, j'en ai aucune idée. Donc, puis c'est que 3... c'est que 3000, hein. Ça va, hein. C'est pas non plus la folie. Hein. Enfin... Donc, sachant que, en général, je me fais OS, donc de toute façon, on peut pas les utiliser. Mais bon, c'est au cas où je les ai sur moi. Il n'y a pas d'arbres dans ce monde de merde. Ah, c'est une domination. Ah non, faut aller prendre le point là-bas. Tout ce que nous avons à faire est de capturer l'emplacement indiqué sur la carte. Déployez-vous. Ah merde, j'ai pas mis les bons. Ça passe pas! J'arrive à me trouver un petit coin avec une vue sur les drapeaux. C'est pas là-bas. Hein. Comment on utilise les trousses? C'est pas ça. Ah merde. Pfff. Je sens que c'est un raccourci que j'utilise, que je vais utiliser sans faire exprès. Je sais pas pourquoi. Les ennemis capturent là-bas. Déjà ? Une minute, on est même pas encore là. L'ennemi est en train de prendre la base. Allez, tout à côté. Mise en place du filet de camouflage. Non mais non, mais pas le filet de camouflage. On n'est pas du tout au bon endroit pour se camoufler, voyons. L'ennemi est en train de capturer la base. Où il est ? Oh, tu m'emmerdes, l'ennemi. Hein. Chargé. Voilà, ça c'est fait. Bah, peut-être comme les munitions, mais je ne sais pas. Voilà. Comment ça il m'a repéré? Mais je m'en fous. Tu vois, là je pourrais utiliser par exemple les chenilles, mais bon. Foutez-moi le camp. Au secours, ils ont pété ma... Ah, ils ont pété ma truc. Oh putain, ils ont pété ma truc. Oui, bah tant qu'elle tourne un petit peu, ça m'ira.
pas très caché. Hein. C'est pas la folie du cachage. J'ai trouvé un ennemi. Ouais, je sais que t'as trouvé un ennemi. On va l'avoir, continue à tirer. Putain, c'est à côté. L'ennemi est en train de capturer la base. Et non, mais il capture. Fous-moi le camp, toi. Je suis en train de faire du... Ah mais non, mais je faisais plein d'XP là. Tu m'emmerdes. Oh, j'étais bien parti et tout. Regarde-moi ça, j'ai fait 4 P, 4 touches, 3 détections, non ça, 2 critiques, 2 morts. C'est carré. Ah bon, c'est carré, c'est marqué dessus, c'est marqué où? Et tu vois ça? Là, je vois mes mecs. Tu vois un truc dans un coin de mon écran que je vois pas. Bon, là, je vois plus parce que je suis mort, c'est peut-être pour ça. Mais ouais, je l'ai quasi OS et tout. Pff, c'était nul. Bon, allez, là. Voilà. Ou oh, comment ça, t'as tout loupé? C'est quoi ce bordel? Ah oui, non, mais là, tu fais de la merde par contre. D'accord, il y avait le symbole carré. Bon, bon, on saura que c'est carré. Hein. Non mais... C'est quoi ce char qui est super costaud? Et ils font quoi les deux autres? Plus grand chose. Ok, ensuite. Faudra aller choper ceux qui sont en train de prendre la base, hein, au lieu de camper. Ok, donc lui ne joue pas. Voilà, encore un qui ne joue pas. Et c'est chiant. On devrait pouvoir les expulser. Non mais... Les mecs, ils prennent la base, restez pas planqués dans les sapins, ça sert à rien. Bon, là tu les vois, mais... Il y a l'arbre devant toi, hein, tu sais. Mais clairement, les mecs qui ont pas bougé leur char au bout de 2 minutes de match, ils devraient être dégagés, quoi. Alors, en même temps, ça sert à rien, puisqu'on aura un trou dans l'équipe. Mais bon, c'est chiant quand même. En tout cas, ils essaient plus de prendre le machin, mais... Je pense qu'ils vont aller tuer Michel qui est tout seul, là, et qui glande. Ah ça y est, c'est reparti. Normalement il devrait personne avoir personne qui lui arrive par derrière, mais s'il avance pas, il va pas les détecter. Va falloir y aller. Ouais, non mais clairement. Mais le pire, c'est que tu gagnes quasiment pas d'XP quand tu bouges pas. Même si tu gagnes la partie, ça fait pas des masses. Il faut faire des trucs. Donc au final... tu vois, moi, quand je suis planqué dans mon arbre et que je tue personne, je fais 100 XP même si on gagne. C'est... Enfin, voilà quoi. Tu vas pas farmer un tank en faisant 100 XP à chaque fois. Hein. Ah, ça y est, elle a bougé. Ah, ça y est, elle a essayé de sortir ses doigts de son cul. Putain.
je pense qu'il va se faire OS, mais... Au moins, il va se passer quelque chose. Oui, ça c'est vrai, tu gagnes de l'argent. Mais bon, c'est pareil, pour acheter les chars, faut de l'XP. Donc, ça sert à rien. L'argent tout court... À part si t'as ton T10 et que tu veux plus descendre. Mais où tu vas, là? Il faut aller vers les... Pff, oh. Mais sérieux, quoi. Où est-ce qu'il va, là? Ah, il prend la route. Pardon, j'ai rien dit. Il prend la route. Par contre, faut qu'il se dépêche. Parce que là... Faut qu'il les détecte, comme ça, l'autre, il tire dessus. Voilà. Comme ça, Michel, il tire. Michel, il tire. Ah, pas quand même. Ok. Ça, ça leur fait baisser la barre. Putain, en plus, il a un kill. Ah, bah, GG. Il a deux kills, ah ça y est, l'autre il se réveille en dernier. Et il va choper le bordel. Oh putain, il est encore là l'autre. Le dernier il est là, sinon ça prendrait le. Ça doit... Ah oui, c'est bon, ça prend le point. Le dernier il doit pas être loin. Hein. C'était quoi ce bug? On peut passer au milieu du truc, je savais même pas. Juste pour le lol, ce serait bien que le chasseur de char vienne le défoncer, tu vois. Là, là, là. Je pense que les autres, ils ont aussi un mec qui dort. Hein. À mon avis. Non, mais on va pas attendre 4 minutes que ça prenne la base. Bougez et faites quelque chose. Apparemment l'outil dort, donc c'est bon, tu veux pas rejoindre Michel. Comme c'est les ouais, mais il recharge, mais le mien aussi, hein, on recharge vite, hein, l'autre, j'ai regardé le... C'était quoi, c'était le A? Ah ça y est, le voilà. Ah non, ça c'est Michel en fait qui tire. Le A, il rechargeait deux fois plus vite que celui-là, hein. Le H, il est super long à charger, hein, c'est chiant. Hein. Sors pas de la zone, hein, parce que déjà il va nous falloir 3 minutes pour... Ou alors faut aller chercher l'autre, quoi. Bon bah je vais lire Twitter en attendant, hein. Pendant qu'on glande. Ah bah oui, on aura même pas le temps. Ah oui, t'as raison, on aura même pas le temps de prendre la base en fait. Sauf si lui il se bouge. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc oui, t'as tout à fait raison. La partie va s'arrêter avant qu'on ait capturé. Non mais c'est toi qui nous poussais, arrête de dire attention. Non, c'est pas lui. Mais c'est qui, Julio? Alors, encore 1 minute 40. N'empêche. Ah, bah voilà quand même. Peut-être qu'ils arriveront à. Ah, il est long encore hein, quand même. Oh, quoique. À 2, ça devrait aller deux fois plus vite. Donc, on devrait finir. On devrait finir.
Peut-être quand même. Regarde, ah bah c'est bon. Et là l'autre il débarque. Ta 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 ta, c'est pas long du tout. Ah là là, faites pas de la merde les mecs, hein. Il reste 10 secondes. Non, non, sors pas, sors pas, sors pas. Bon, alors, est-ce que je suis dans les 5 premiers non, en termes d'XP? J'ai quand même bien bossé. Ah bah oui. Et tu sais quoi? Oh putain. Et j'adore mes missiles, mes obus, parce que ça je les ai à chaque fois. Non pas ça, mais ça je l'ai à chaque fois. Ouais, j'ai les deux, hein. J'essaie... Ouais, putain, c'était... Oh, c'était excellent cette partie. Je pense qu'on n'est pas loin là. Je pense qu'il reste une ou deux parties, on a débloqué le machin. Ah, 1500 quand même. Il y en a qui comptent pas en fait. Hein. Il y en a qui comptent pas. Je pense que le haut sommet il a pas compté. Bon bah allez, on continue. Hein. On en est où l'équipage là? Oh, ça y est, je peux acheter les compétences. Oui, enfin. Bon, comment on marche? On peut refaire du camouflage encore. On va peut-être pas. J'aurais bien. Mais. Ah oui, d'accord. Ça voilà. Il faut. En fait, on choisit ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Putain, il y en a 12 000 les trucs. Donc, on a réparation. Lutter contre les incendies. Camouflage. Frère d'armes. Mentor, expert, chef de char identifie les dégâts critiques sur les véhicules ciblés. Multitâche, pendant chef de char de maîtriser toutes les qualifications de remplacer les membres d'équipage blessés. C'est sympa ça. Le jeu permet au chef de char de savoir lorsque le véhicule est détecté par l'ennemi. Oui, mais ça je le sais déjà. Portée de vue maximale. Pour la portée de vue, on est déjà large. Moi, j'aurais bien un rechargement rapide. Ou alors, je prends un expert en camouflage. Je pense que je peux faire un char bien camouflé. Eh ? Ça, ça peut être sympa aussi. Non, ça c'est pas...
Donne une chance au chargeur d'interrompre immédiatement le processus de recharge si vous passez à un type de mission différent, ce qui vous permet de tirer beaucoup plus vite. Ah ouais, mais ça c'est seulement si on swap. Bon bah en tout cas, il n'y a pas de truc. Donc je pense qu'on va prendre expert camouflage. Parce que je suis toujours dans le machin. Donc voilà, ça. On peut recommencer à XP mon perso. Là, de toute façon, on n'a pas de quoi acheter. Non. Hop, on n'a toujours pas maîtrisé le char. C'est chiant ça. Et on est reparti. Alors en plus, il prend de l'XP pour l'expert en camouflage. Je comprends rien. Oh ben non, pas l'Arctique. Donc il nous reste 1500 points à faire. En une heure. Bon, ça peut se faire. Sachant que j'ai les trucs qui filent pas mal d'XP qui machin. Alors pousser d'adrénaline, c'est charger plus vite quand le char a moins 10% de vie. Ce qui est vachement moins intéressant. Pour ça que j'ai passé vite. J'ai vu le 10% de vie, j'ai fait non. Non. C'est vrai qu'il y a des cailloux ici, faut faire gaffe. Merde, c'était pas les bons. Je commence à avoir un de ces bordels là en dessous. On va se mettre où? Parce que c'est pas tout ça, mais... Dans la neige? Ah, là-bas. Évidemment, maintenant que j'ai mon truc... voilà. Ah, là, on peut pas être mieux caché. Si quelqu'un me trouve là-dedans... J'ai une visée à 500 mètres et ultra réduit de machin. Ah oui, ils sont là, mes kits de survie. Ouais, donc. Putain, ils sont. Putain, j'étais pas mal là pourtant. Hein. Non mais bouge pas Michel. Arrêtez de bouger. Il est plus là. Mais il doit encore être dans le coin puisque... C'est à quelle distance là-bas? C'est à 100 mètres? Bon là ils sont de l'autre côté. Ok. C'est chiant, ils sont tous derrière la montagne. Celui-là il est pas derrière la montagne. Bon, ça n'a pas fait très mal, mais au moins ça a touché. Ah bah oui, évidemment, et les cailloux. T'as pas bien tiré, mec, hein. T'as repéré quoi comme cible? Chargé, allons-y. Putain,
C'était à côté. Y'a une cible là-bas? Ouais, mais je peux pas la toucher. Salut Azerti, un peu, ouais, bah oui, Azerti machin, hein. Ah. Sors de ton trou. Sortez tous de votre trou, les chars lourds là. Ah, mais ils sont au fond. Faudrait qu'ils sortent là, là, là. Viens ici. Alors que les gens l'attirent. En plus, on est bien là, on va gagner le match puisque avec l'avance qu'on a, on devrait pas avoir trop de problèmes. Ah, je vois pas ici, il faut qu'il aille jusque là. Si les gens font pas trop de la merde, ça devrait aller. Bon, moi je reste dans mon buisson. Hein. J'ai un char sniper, donc ça reste, ça bouge pas. Je sais pas où peuvent être les lourds, à part planqués au fond. Ils sont planqués au fond. Bon, voilà. Mode suicide. Je me disais aussi, il y a l'air d'y avoir un trou. Barrez-vous les arbres. Il en manque un, hein. Ils en ont repéré deux, il y en a un qui n'a pas été spoté encore. Hein. À mon avis, c'est le bas de plan. Surtout si je vais là-bas où personne n'est allé spotter. Ça va faire tudut. Boum. Mort. Ah bah non, il est là où le dernier? Bon bah c'est bon, tranquille. Bon, on va essayer d'y aller, mais à mon avis, vu le nombre de chars qui est autour de lui, il est mort. Ah mais par contre, il a réussi à en tuer hein, quand même. Bon, je vais aller prendre la base. Ça fera des points d'XP. Si on m'y laisse le temps. Nous sécurisons la base. De toute façon, il n'y a que lui et il est mort. Bon ben voilà. Ça me fera un petit peu de points d'XP au moins. Bon boulot les gars. Il y en avait 3 à un moment, je les voyais pas les 3 sur le truc. C'est quoi ça, XP? Waouh, on gagne de l'XP d'équipage et tout. Ouais, bah bataille suivante. Donc on est à 1500, donc il n'y en a plus que 1200 XP à faire. Je vais compter, hein. Ta-t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 a. Ah tiens d'ailleurs en ce moment au boulot on fait du Helldiver pendant les pauses. À 3, parce qu'on n'est pas 4. C'est les autres qui veulent pas jouer avec nous. C'est très fun, c'est fun hein, mais c'est bon voilà quoi. Avec mon skill, c'est toujours très drôle. Heureusement mes collègues sont bons. Dans l'arbre là-bas. Soit les détruire, soit capturer leur base. Lequel ça sera mieux? Je suis près de là, c'est pas mal.
C'est bon, ça compte, hein. C'est bon, ça compte. Mise en place du filet de camouflage. Attends, c'est bien une bataille sonde. Ouais, le problème c'est que l'autre il s'est foutu là-bas. En fait, je me suis mis pile du côté où je vois personne. C'est super. Parce que là je peux spotter. Oh, je vois de personne là. Je vais essayer de me trouver un meilleur arbuste. Dans la maison. Arrêt à faire feu. Alors, oh punaise, vas-y, tu veux pas faire un petit peu d'effort d'écriture, parce que c'est un peu galère à lire. Je suis sûr qu'elle compte sur PS4. Et mon plus gros tank, c'est celui-là, donc c'est un tier 5. Mais je le farm juste pour l'event, après, après on arrête de jouer. Moi je veux juste le char de l'event. Non mais non. Tant que ça recharge, il s'est barré. Oui, lui sort par là, sort par là. À travers la maison, là, ça passait. Tu peux pas sortir de ton trou, là, s'il te plaît? Vise pas comme une merde, s'il te plaît! Voilà! OS! OS, le chasseur de tank! Bon, il reste du lourd hein, qui traîne. Je sais pas où ils sont, mais il reste du lourd. Lui qui tire ou il se fait tirer dessus? Ah, ils sont là-bas, les lourds. Enfin, au moins, il y en a un là. Ouais, bon, là, c'était n'importe quoi. Je suis d'accord, c'était n'importe quoi. S'il y en a un qui me vise. Non, il est forcément là-bas, c'est celui qui est là-bas. L'autre, il est mort. Oui, bah, m'en fous. Je l'ai tiré une fois, il est mort. Oh putain. C'est pour mes fesses, ça. Il est en train de niquer notre artillerie. Faut à tout prix que j'aille les sauver. Lourd. C'est autant les chasseurs de chars, ça va. Autant les lourds, je les sens pas.
vais laisser l'artillerie bosser, hein. Moi, je leur ai sauvé le cul. Donc, maintenant, c'est à elle de bosser, hein. Non, mais tu rigoles, l'artillerie, elle se serait fait défoncer si je l'avais laissé. Il lui reste... Regarde-moi ça, il lui reste un pixel, je lui ai sauvé la vie. Il n'y a pas de vol de kill, là. Ah, il est en train de voler la map. Voilà, encore, elle est contre 300. Bon, c'est pas vraiment... On n'a pas les trucs, mais bon, c'est pas grave. Allez, plus que 1000. Voleur de kill, mais je vole. Il n'y a rien volé. J'ai sauvé son cul, c'est tout. Ah merde. La ligne Siegfried. Alors j'espère qu'on spawn pas dans la ville, s'il vous plaît. Genre en bas à droite, ça serait bien. Dans les buissons. Toi dans la stratégie, moi je suis le sniper embusqué. Mais les appâts, ils font jamais rarement leur boulot. Ils appâtent pas du tout. C'est sympa ça quand même. Ah oui, bon, en haut c'est bon, ça marche aussi. Faut juste trouver un arbre. Ils vont arriver par où? Ils vont arriver par en face. Bon, voilà, là, pile devant, il y a un arbre. On sera dans la pente, c'est pas génial. Pas génial du tout parce que je vois pas la ville. Mais bon, peut-être qu'ils attaqueront pas par la ville. On va compter là-dessus. Il est de camouflage déployé. Y a pas d'artillerie déjà, on va être tranquille. Ouais, ça va attaquer par la ville. Hein. Quoique tout le monde chez nous attaque par la droite, donc ça se trouve. Allez, premier, je le vois pas. Pas un buisson un peu mieux foutu là. Ceux-là là-bas. Est-ce que je me fais. Allez, suicide. C'est des cailloux. Oh putain, c'est des cailloux de merde. Mais qui a foutu des cailloux? C'est les temps qui passent sur tout, sauf sur les cailloux. Voilà. C'est les némésis des tanks, c'est les cailloux. Oh bah là, on est peut-être un peu loin là quand même. On va se mettre là. Celui-là il a l'air pas mal. Ils attaquent tous par la ville, c'est super. Ah mais putain, je vais être sur la... Merci de lui avoir pété les chenilles. Oh, tu te fous de ma gueule! Merci! Bon, on va se mettre à côté de la maison. Voilà. Là, je suis planqué et j'ai de la vision que dalle. Parce qu'ils sont tous à gauche. Bon, tout va bien. De se faire défoncer. Ouais, alors je pense que je suis pas très camouflé là, mais bon. L'espoir fait vivre, on va dire. Ils ont tous attaqué au gros char. Oh putain. Il est mort. Ah oui, ils sont en train de nous mettre la pâtée en fait. Je pense qu'il y en a un qui va popper derrière moi. Ah merde, je tire pas les bons, t'arrêtons. Ah, j'ai oublié.
Je me lisais aussi, c'était bizarre. Surtout sur un léger. Vous voulez pas sortir de la butte là, les mecs? Putain. Il est où le... Jean-Michel. Jean-Michel le lourd. Alors, le lourd contre les légers, bon, normalement ça devrait le faire. Normalement. Ou pas. Ah oui, non, bah, il a un petit peu beaucoup de monde au cul quand même. Je pense que je vais mourir. Surtout que là, je suis pas du tout planqué. Où ça? J'ai pété, c'est Chenny. Par contre, il m'a vu. C'est un lourd, hein. Mais bon, c'est pas grave, on s'amuse. Loupé. Merde. Ah bah là, c'est mort. Oui, non, mais il fout la paix à mes chenilles. Tu pourrais le toucher, s'il te plaît? Ah bah oui, vas-y, tu rien, bah je dirais rien. Ouais bah je me doute, hein. De toute façon il reste quasiment plus que moi, donc... Je pense qu'il voit mon cul, mais... C'était pas chargé. Ah, je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Pas mal. Pour un, de toute façon, c'est plus que moi et le lourd qui fait je sais pas quoi. Le lourd qui est planqué dans un coin. Ok. C'est pas grave. On s'est bien marré quand même. J'ai fait plein de trucs là. Bon, j'ai fait plein d'XP. Normalement. L'objectif devrait être pas mal. Ça, c'était pas... Ah, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué là, voilà. Bon, c'est pas une victoire, mais c'était pas si pire. Dis, apparemment c'était pire, hein, parce que niveau XP c'était pas trop ça. Hein. Voyons voir... Oui, j'ai fait un kill quand même. Mais c'était pas fameux. On entraîne ça et là le facteur donc là il s'entraîne, je sais pas pourquoi mais il s'entraîne, c'est pour ça que pour l'instant ça marche pas des masses encore. Hop, donc on en est à, oh bah c'est bon, il reste plus que 500 points à faire, donc si on fait pas que de la merde en deux parties ça devrait être bon, et si on se démerde bien en une partie c'est cliné. Bon allez, 3 au pire, mais si on fait pas de la merde.
Oui, choisir les bons zombies. Bah, j'y pense en général quand je réfléchis, mais des fois j'y pense pas. Bon, j'espère qu'on est en haut, dans les trains, c'est pas mal. Remarque, la dernière fois, je m'étais bien planqué en bas et on avait bien géré. Faudrait que je puisse mettre les obus explosifs en premier. J'ai pas besoin de switcher. On est en bas, ça fait chier. Désolé, je fais que passer. Voilà, cette voiture elle y passe. Mon tank c'est comme une smart, ça va n'importe où. J'ai trouvé des arbres, c'est bon. Voilà. Allez. Merde. J'ai mal calculé le bordel. Ça va là, moi je suis bien planqué, là tu vas me faire repérer par tout le monde. Ah, par contre. Par contre, niveau visée en haut de la butte, c'est pas génial. Vaut mieux que je vise à droite. Va se montrer. Ou pas. Waouh. Ah c'est il se barre, putain, je vais être en train de se faire bombarder. Celui-là, je le sens pas bien pour la gâchette. Oh, quoique. Oh, si. Bah, non, c'était pas bien. Qui me tire? Ah, on est mieux là, en fait. C'est bon. Bien que ça soit un lourd, mais quand même, vise pas à côté, s'il te plaît. Voilà. Bon, bon, j'espère que personne ne me regarde pendant que je tue à deux à l'heure, Michel. Surtout que il y a un obus sur deux qui va à côté, c'est chiant. Ah, il était joli celui-là. Complètement dans le pont.
team a repéré. Ils ont détruit un de nos chars. Au. Non, vous mourrez pas. Nos chenilles sont fichues. Ah bah non. Là, je vois mourir. J'aurais au moins participé. Tire ! Ah, j'ai pas eu le temps. Ça peut être pas mal le 10% de rechargement sur celui-là, de vitesse, hein, parce que ça fait quand même... presque 70 millisecondes en... 700 millisecondes en moins. Enfin, presque une seconde, quoi. Enfin, je crois. Ouais, non, c'est quoi? C'est 7 secondes? 4 secondes? Ah, je sais plus. Enfin bon, c'est 10%. Près de notre base, en plus. Ouais, bon, en même temps... Ah bah, en même temps, on a perdu. On fera mieux la prochaine fois. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5... Putain, je suis presque... Par contre, il y en a, ils sont foutris en XP. Ok, bon, bah ça fait que 100, que 2, enfin que 180, qui reste un truc genre 400, 300 et quelques. Mais il reste une demi-heure, donc ça va. Ah, là, là il va y avoir plein de... plein d'arbres, ça c'est bien. Mais pourquoi on est à 10 km du point? Il y a des ennemis dans la zone. Détruisez-les, capturez leur base. Déjà on va aller vers la zone de défense, hein, parce que c'est par là-bas. Puis on va se trouver un arbre. Déjà qui commence déjà à nous chercher avec leur truc. Putain, tire pas à côté, Michel. Voilà. Et là je vais péter ces trucs. Bon, c'est un lourd, ça va être compliqué. Là moi je l'ai repéré. Ouais, t'es pas... Oh, merde. Merde. Il est où? Là, je vais mourir. Run, Michel! Ah, il y a encore un lourd là-bas, fais chier. Moi je shoot. Je m'en fous, je shoot. Voilà. C'était pas la bonne idée. Mais ils n'auront pas de points. Voilà. Je pensais que la route était quand même un peu moins catastrophique. En fait, il y a beaucoup de lourds contre beaucoup de lourds. Et nous, au milieu, avec nos moyens, on se fait un peu niquer, quoi. Il fait pas grand chose. Comment ça, il y a que des lourds.
Ah, j'avais tenté la noyade, maintenant on a tenté le saut, voilà. Voilà à quoi sert la compétence parachute. C'est quand on fait ça. Fallait bien tester. Bon, tout ça va toujours pas nous faire beaucoup d'XP, hein. Bon, on en a repéré déjà, c'est pas mal. Personne. Oh, puis ils prennent notre base. Oh, mais vous faire foutre comme ça, mais toi tu l'as dans les vues. Allez, vas-y, pète-le. T'as loupé. C'est pas lui en tout cas qui prend la base, hein. Ils sont trois à prendre la base. Ok, super, GG. Mais ouais, mais y'a que des lourds dans cette partie. Si tu veux qu'on fasse les autres. Puis y'a pas d'artillerie, y'a rien. 3, 2, 1. Si personne tire, c'est. Oh putain. Ah, par contre, là, les légers sont mal barrés. Enfin, les légers, les moyens. Voilà. Voilà. Il y a Michel là-bas qui risque de taper, mais bon. Déjà, ils leur ont empêché. Bon, déjà, c'est pas mal. J'espère que derrière, ça bosse. Non, c'est bon là. Ils vont éliminer tous ceux qui sont à la base. Enfin, peut-être. Élimine les petits d'abord. Voilà. Élimine l'autre petit. Et après tu t'attaqueras au gros. Voilà, maintenant attaque-toi au gros. Bon, 4, 3 et 2. C'est mal barré, hein, ça part mal. Hein. Les autres, ils allaient se foutre dans une grange. Ah, bien vu. Non, mais non, mais tire pas à côté. Ok, bon il reste deux lourds, on est quatre lourds contre deux lourds et deux machins. Bon, ça peut le faire. Par contre, faudrait pas que les autres là-bas ils se foutent dans la merde. Mais où est-ce qu'ils sont les autres? Ah, ils sont là. Ouais, toi recule parce que tout seul contre tout ça, tu vas pas t'en sortir, putain. Et ils sont tous dans le trou, c'est génial. C'est chaud, hein. Bon, déjà, il faut éliminer celui-là. Ou l'autre. Enfin, ce que vous voulez, mais éliminer. Ah, c'est bien, là, ça touche. L'autre, il touche pas des masses, hein. Il y en a un, il arrive par là-haut. Discretos. Oh putain, l'autre, il est mort, là. Mais d'où il arrive à tirer? Oh là là. Bon, je crois qu'on est. Je crois qu'on est fichu. Je crois qu'on est fichu. Ah, il est bien planqué lui. Ouais, fou que dalle. Lui il est mort. Et lui il est mort. Bon bah. Voilà. Il y aura une bonne résistance, hein, mais c'était pas. C'était pas fin. On est complètement dépassé. Mais au moins ils ont pas pris la base. Bon, si on y va à pas 442 XP, je veux bien qu'on en ait pas beaucoup, mais quand même. Bon, normalement, c'est avec un peu de chance, c'est la dernière. Pas la dernière, oui, oui, la dernière. Puis après, on ira essayer le nouveau char. On verra comment il est équipé, on va voir s'il a les mêmes stats. Je transférerai mon équipage à l'intérieur, comme ça, il continue de prendre de l'XP. En fait, c'est ça, quand tu commences le jeu. Enfin, c'est chiant quand tu commences. Mais il faut, avant d'acheter le nouveau char, il faut attendre que ton équipage il ait pris un point. Je pense. Parce que comme quand tu le transfères, il repasse à 75% forcément. Enfin, sauf si tu payes. Je sais pas trop. Alors que normalement, là, mes points, ils gardent, quoi. Ils sont gardés. Moi, enfin, j'espère.
Alors, bataille standard, ok. Bon, bah, ah, c'est le Vallée Sacrée. Ah, c'est le paysage japonais. Il est bien celui-là. Enfin, mais, sauf que je sais jamais où me planquer ici. Il y a des ennemis dans la zone. Détruisez-les ou capturez leur base. Parce que là-haut, on est supra visible. Ah, là. C'est pas super caché, mais bon. Ça ira. Mise en place du filet de camouflage. Évidemment, on commence direct avec un lourd. On n'avait pas trouvé moins chiant comme. Et il y a le léger qui va le chercher. Ah oui, merde, les obus. Merci. Canon chargé. Oh non, mais bouge pas. Michel. Mais non, mais je te voyais. Oh putain, ils arrivent par là. Mais arrêtez de disparaître, c'est chiant. Comme ça en fait. Où sont les autres? À part derrière les maisons. Évidemment, ça ne toucherait pas. Bah oui, il doit y avoir encore un truc devant pour pas faire chier. Ah, lui, il est pour moi. Ou pas. Bon, ça touche ou... Non, ça ne veut pas toucher, hein. Ah. Caillou. Chargé, allons-y. Lui aussi là, il fait chier derrière ces cailloux. Ah, trouver une cible. Moi j'aurais fait un peu d'XP. Vais m'acharner dessus. Ah bah non, disparaît pas. Ah bon, ça y est, il est mort avant que j'ai eu le temps de toucher. Ah, ça y est, voilà ma cible. Qu'il y en a un qui va me tomber dessus. Sors de ton merdier là-bas. Bon, ils sont où à gauche là? Ils font pas. Y a rien là-bas? Non? Bon, ensuite par là. Où qu'il est? Où qu'il est? Il a disparu. Des fois que... Oh putain. Canon chargé. Tu es mort. Par contre, on a... Ils ont repéré l'antichar, ça c'est cool.
Bon voilà, on a fait un peu de détection, un peu de machin, c'est pas mal là. Ah, les petits baraques. Évidemment, le seul que je puisse taper, c'est celui que je ferai pas mal. Mais bon. Ouais, j'attends qu'il arrête de bouger. Oh, il était beau celui-là. Par contre, je l'ai arrêté dans un trou. Fais chier! Il nous reste quoi? Il nous reste les deux là, plus celui de là-bas. Ok, c'est bon, il reste pas grand-chose. J'ai tiré sans faire exprès, désolé. Ah, il reste le gros encore, hein. Capturer là-bas, j'ai même pas vu. Bon, normalement là c'est beau. Oh, large. Ah, voilà, il est là. Il est là. Il est là. Il va falloir retransférer tout. Et quoi, il y a même pas de ta 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 ta, ta et tout. Alors attends. Il est un peu moins foufou. Par contre, l'équipage, je voudrais bien Ah mais il me file déjà un équipage. Oui, mais non, mais moi je veux récupérer mon mien. Hein. Voilà. Je veux mon Hans. Non, attends, 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 qu'est-ce que c'est ce bordel? Donne-moi mon Hans là. Tu le réassignes sur le Golden. Voilà, gratuitement. Hop! Voilà. Thomas, c'est qui Thomas Allison? On s'en fout. Bon, par contre, il faut. Ah oui, évidemment. Il faut aller revendre tout de l'autre. Le problème, c'est que. Ah, c'est chiant. Si je revends l'autre, ça veut dire que je peux plus. C'est con, il lui manquait pas grand chose pour débloquer celui-là. Bon, après, on peut pas l'acheter de toute façon, donc. Mais je sens que si je le déséquipe. Oh non, on s'en fout, on peut le déséquiper en fait. Vendre. Donc j'ai des explosifs SPGRK. Ok, on peut pas vendre, non. Désassigné. Comment on désassigne? Peut-être pas. Peut-être que c'est automatique. Voilà. Pas comment on désassigne. C'était ceux-là? Ouais, ça a l'air. Non, je suis pas sûr. Si, SPRGK, c'est ça. J'aurais bien des enlevés. Ah, retirer, voilà. C'était pas ça que je voulais faire, bon c'est pas grave. Salut le tankiste. Allez, allons jouer avec notre nouveau char.
toute façon, c'est le même. C'est juste qu'il a pas le même skin. Mais c'est pas grave. Je mettrais bien l'OST de Girls und Panzer, mais je sens que YouTube va me faire chier avec, donc je la mettrai pas. Monte mes tanks, bah là c'est trop tard, je suis parti en machin. Ah, bah voilà mon joli tank. Avec mon petit cochon. Par contre, il a moins de munitions, c'est moins drôle. Bon, on est où là? Ok, bon, on va aller se foutre. Eh, mais il a chargé vite? Non, c'est peut-être moi. Eh oh! Il me tire pas dessus là! Allez, on va se foutre ici. C'est pas mal. Ah, alors que je vais rien voir à cause de la butte, tu vas voir. C'est à peu près ce que je pensais. Oh, c'est pas grave, je vous parle là-bas. On verra par où ils arrivent. En fait, j'aurais dû aller là-haut. Ou là. Oh, pour l'instant, ça va. Ah oui, il charge vachement plus vite que l'autre, en fait. Ouais, ouais, il a chargé en moins de 4 secondes, c'est clairement, clairement mieux. Bon, tu veux pas sortir de là-bas, toi? C'est pas sur Xbox celui-là, c'est celui de PS4, mais bon, c'est pareil au final. Hein. Enfin, je suppose. Ouais, il a eu peur. Ok, cible repérée, ça c'est bien, c'est cool. J'irais bien me foutre dans un des arbres là-haut, mais... Je sens que ça va être ma mort si je sors de mon trou. Qui c'est qui arrive par là-bas? Un lourd. Oh, il est loin encore. Ils sont où tous les autres? Ok, lui il est mort. Je sais pas, j'ai jamais joué à celui sur PC donc. C'est pour ça que je joue sur la console. Je sais pas s'il y a des grandes différences. Après, sur celui sur PC, il y a plus de trucs parce que ça fait plus longtemps qu'il est là, mais sur console, ça va arriver au fur et à mesure. Oh, mais vous êtes chiant de vous foutre derrière des trucs. C'est bien parce que GLX devine toutes mes réponses avant que je. Enfin, j'ai déjà répondu, mais le temps que ça arrive chez vous, avec les 20 secondes de décalage. Bon, c'est pas qu'on se fasse chier, mais... Ah. Concentrez-vous sur cet endroit. Non, non, mais là, il y a des tanks pour moi, là. Ou pas. Ah, si. Bon. C'était... Canon chargé. Bon, je suis mort. Ouais, ils ont commencé avec Allemagne, Russie et... Non mais pourquoi je tire là? Allemagne, Russie et... C'était quoi l'autre? Recule. Mais pourquoi t'es au seul endroit où je te vois plus? Allemagne, Russie et Angleterre, c'est... Ah non, c'était ça, USA, et ensuite ils ont rajouté les Angleterre il n'y a pas longtemps. Et... Bon, il y aura encore les Français qui arriveront et puis tout ça quoi. Oh putain, ça charge vite. Ah, ça charge vite, c'est bien.
Ça va être pour ma gueule bientôt celui-là. Mais sors de là-bas. Oh bah oui, je me doute hein. Oh puis avec des lourds là-bas. L'ennemi est en train de prendre la base. Voilà, bon. Je m'y attendais un peu. Hein. Ah oui, bah oui, ah bah oui, ah bah oui, j'avais pas regardé combien on était. Forcément, au bout d'un moment. De toute façon, c'est pour finir. Maintenant qu'on a le tank, bah. Je sais pas quand on y rejouera. Hein. Quand on aura le temps. Mais bon, vu qu'il y a plein d'autres trucs à faire. Ou alors quand il y aura de nouveau un event. Bon, après, je vais peut-être refaire la liste des chars qu'il y a dans Gorzone Panzer et tout ça, je vais chercher. Enfin, les versions les plus approchantes, parce qu'il n'y a pas tout. C'est pas exactement les mêmes versions, mais. Mais pareil, par contre, faut que je me rematte l'anime parce que maintenant que je comprends des trucs au char, je vais peut-être plus comprendre les stratégies qu'elles appliquent, les filles. Parce que de base, je comprenais rien quand même hein, quand j'ai regardé l'anime. Entre des anti-chars, des machins, de... je ne sais pas qui faisait quoi. Maintenant, je la connais. Il est bien l'autre, il se cache derrière l'autre. C'est. Il y a le film Gorzone Panzer qui sort dans pas longtemps. D'ailleurs, bah, c'est pour ça qu'il y a la collaboration avec, avec World of Tanks. Oh, ça va, ils ont éliminé pas mal. Hein. Mais bon. Ils peuvent faire les légers, ça, il n'y a pas trop de problème normalement. Oh, les légers, les moyens. Ah oui, il s'appelle Gup le mien. Ah, il y en a un autre en face qui en avait un. Bon, on n'aura pas fini sur une victoire. A priori, hein, je pense que. Je pense qu'ils vont pas gagner. Hein. Je veux pas être médisant, mais. Bon, il y en a un, il est full life, mais l'autre. Bon, il a quand même tué un lourd, hein. Il n'y a plus de lourd en face. Hein. Ah oui, par contre, c'est l'artillerie, il va falloir la dégager. Hein. Ouais, ah, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Hein. Ah, quoique là, il y a l'autre qui arrive en pleine face. Là. Oh, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Qu'est-ce que tu fous? Merde, il n'y a plus de Johnny. Et il doit plus avoir de canon non plus. Et franchement, ils peuvent faire quelque chose. Bon, l'autre là-bas, il sert à rien, par contre. Il y a juste le dernier chasseur de chars, on sait pas où il est. Ah bah, il est là. Ça y est, nouveau pété une chenille. Le problème c'est que Michel, il est planqué dans son arbre et il bouge pas. Ah mais il a aussi pété une chenille, merde. Donc il risque pas de bouger. Bon lui il est tranquille quand tu l'as. Faut juste qu'il fasse gaffe à l'artillerie. Mais il peut plus bouger. Ah si ça y est. Et lui... Ah si, ça y est, il est réparé. Mais il veut pas bouger. Putain, les mecs, ils vont remonter, quoi. Sachant que l'artillerie vaudra pas grand-chose, a priori. Allez, vas-y, tu niques celui-là.
Par contre, l'artillerie doit te détecter, donc t'évites de t'arrêter. C'est un peu coupé ça. Oh putain, vas-y, faut que tu pètes l'artillerie là. Oh, tu la vois pas. Oh, tu la vois pas. Vas-y, toi. Quoi? C'est tout? Tu te fous de ma gueule? Non, mais tire correctement, s'il te plaît. Ah, bah quand même. Bon, ça va. Artillerie au corps à corps, ça fait pas très mal. Voilà. Bon, il reste plus qu'un. Putain, les mecs, GG. Hein. J'aurais pas cru. En plus, c'est. Oh, c'est un T4 en face. J'ai un T4, T5, plus un T5. Bon, ça va. Bon, lui. Vas-y, hein, il y en a plus qu'un, tu peux aller chasser. Hein. Ah bah voilà. Pouf, voilà. Lui, pouf, non, pas pouf. Pouf. Il vise mieux que l'autre quand même. Voilà. Bah bah quand même, hein, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit. GG les gens. On a réussi, on a gagné. Bon, l'XP là-bas, ça sert à rien. Mais bon. sur celui-là, il n'y a pas... Par contre, j'ai l'XP d'équipage, ça c'est cool. Bon, ben voilà. Bon, le tankiste, il est reparti, hein, c'est con. Hein. Maintenant, je pouvais montrer mes chars. Alors, attends, je voulais quand même remettre mes provisions que j'ai loupées, que je voulais remettre et que j'ai pas remis au final. Ok. Ça, c'était cela ou c'était pas cela? De toute façon, j'ai pas le choix. Si, non, si. Réinitialiser, menu. Non, c'est pas ça. Non, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. C'est forcément, il faut acheter des comme ça. Hein. Allez, on va en mettre plein. Ah, oui, d'accord. Faut équilibrer en fait. Et vu que je tire plus avec ceux-là. Et vu qu'il coûte moins cher. Allez, comme ça. Et ça, de toute façon, c'est des quoi ça? Des perforants rigides. Je sais pas où ça sert. Et hop. Hop. Ah, et puis je peux aussi. À 180 000, je peux aller. Allez, on peut mettre un truc. Ouais. Le temps de chargement, il est plus très machin. Je pense que je vais plutôt prendre de la def. Ça c'est pas mal, hein. Comme ça mes chenilles, de toute façon on peut les revendre, donc c'est pas grave. Hop. Voilà, donc si je voulais comparer les deux, oui, alors, ah oui j'ai pas les temps de chargement ici, ouvrir les détails. Ouais c'est ça, 15 coups minutes, il tire deux fois plus vite que l'autre. Par contre il a exactement les mêmes stats. Il a pas les mêmes munitions, elles sont plus petites celles-là, ça c'est des 40-66, ça c'est 29-48 les Esberg. Par contre celles-là elles sont plus grosses celles du haut. L'équipement c'est le même. Non mais il est joli comme ça. On aura plein de... Pour pouvoir réorganiser, ce serait pas mal. Bon. Ok. Bon, ben voilà. Pour World of Tanks, c'est fini pour ce soir. Et on va passer sur Euro Truck. Avec un petit trophée à la clé si on arrive à trouver un yacht. Allez, bon, bah, je coupe déjà ça, puis comme d'hab, je mets la musique, une demi-heure de pause, et puis ou peut-être moins, je sais pas, ça dépend si j'ai fini vite. Et puis voilà. Enfin, au pire, je suis en vocal. Alors, je coupe déjà la VOD. Oui, ah oui, le transfert d'équipage est gratuit sur les premiums. Donc, comme c'est un char premium, je peux prendre l'équipage, le mettre dessus, voilà, c'est ça, bah tu le dis, le farmer, puis le remettre gratuitement sur mon char d'origine. Bon, ça ne servira à rien. Bon allez, coupure et on switch.